Bien, bonsoir tout le monde, merci d'être venus très 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 nombreux en fait pour ce concert de Khaled El Jaramani qui est donné pour le vernissage de mon exposition Souvenirs de Syrie. Juste une petite information technique en fait. Étant donné qu'on est très très nombreux, il y a encore des gens qui vont venir, donc on fera deux concerts. Donc les personnes que ça dérange en fait, qui ne peuvent pas rester debout, vont pouvoir assister à une visite guidée de l'exposition que je ferai moi-même pendant qu'il y a le premier concert et ensuite vous pourrez assister au deuxième concert. Voilà, donc si vous souhaitez, vous pouvez assister à la visite guidée donc qui sera donnée là dans quelques minutes en fait. Donc juste un petit mot en fait par rapport à l'exposition et donc au concert de Khaled El Jaramani. Les photos que vous avez vues ou que vous allez peut-être voir donc font partie de l'exposition Souvenirs de Syrie. Ce sont mes dernières photos que j'ai prises en Syrie lors de mon dernier voyage en fait là-bas. Je suis originaire de Damas. J'ai grandi, j'ai vécu en Syrie jusqu'à l'âge de 20 ans. Et ça fait 20 ans que je vis en France. Donc la moitié de ma vie, j'ai passé en Syrie et la moitié en France. Et ce sont des photos que j'ai prises vraiment au hasard. Des promenades, j'avais envie de revenir à des lieux que j'avais visités enfant, avec mes parents ou à l'école. Et cette année-là, c'était fin en décembre 2010 et janvier 2011, je suis rentré pour les vacances de Noël. Et peut-être j'avais un pressentiment que je n'allais pas pouvoir revenir en Syrie après cette visite. Et donc j'ai pris en photo des lieux qui sont chers à moi. Donc différents lieux à Damas, Alep, Krak de Chevalier, Bosra. Et pour moi, l'idée de cette exposition, donc c'est des photos que j'avais au départ gardées pour moi. Et ensuite, bien sûr, il y a eu malheureusement les événements dramatiques qui secouent la Syrie actuellement. Et donc j'ai voulu présenter une image différente de ce qu'on voit malheureusement dans les médias actuellement. Donc l'image différente de la guerre, de la destruction, pour montrer qu'il y a un patrimoine en Syrie, qu'il y a des gens. Il y a des chrétiens et des musulmans qui ont toujours vécu ensemble, en harmonie, en amitié, en fraternité. Et c'est ce que je souhaite retrouver maintenant. Et puis, vous êtes tous au courant de ce qui se passe malheureusement en Irak et en Syrie concernant la destruction des sites du patrimoine. Donc voilà, cette expo, j'espère que ce sera une note d'espoir. En fait. Voilà. Donc Khaled El Jaramani, c'est un grand musicien syrien, un grand ami aussi. Nous avons fait il y a 2 ans une soirée culturelle sur la Syrie. Khaled a répondu donc à l'invitation. Khaled, il a écrit et composé beaucoup. C'est 3 albums, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Okay. Merci. Donc bon, on va laisser la place à la musique et on fera un petit peu. Merci. وتمحو بلادها
Des morceaux de mes compositions. Le premier morceau, c'était des poésies de poètes de Majnoun, Al-Majnoun, Qais, le fou de Leïla. Qais, il a vécu il y a presque 1500 ans, comme ça. Et il a vécu dans deux époques. La première époque, où il a écrit toutes les poésies pour Leïla, la mort interdite pour lui. Et la deuxième époque, quand il est devenu religieux, après la religion islam, il est venu à cette époque, mais quand même, il a resté à écrire les poésies pour Leïla. C'est-à-dire, rien changé sa mort de Leïla. Il a dit ici, je vais essayer de traduire ce que j'ai chanté en petite partie, « Ni pauvreté, ni richesse, ni repentir,
ne m'ont fait oublier Leïla. Si vous m'interdit Leïla, que vous m'empêchez d'entrer dans son pays, vous n'empêchez pas ma poésie. Le deuxième morceau s'appelle Trouvaille locale. Thank you.
morceau s'appelle Samae Bayati. Le Samae, c'est une forme classique orientale. Elle existe il y a 1000 ans presque. Thank you.
Thank you.
commencé un nouveau morceau, un nouveau projet avec une amie violoncelliste qui s'appelle Emma Mitton. Et on va jouer, j'ai composé quelques morceaux pour ce projet. Il y a un morceau qui s'appelle Goutte. Et moi ce soir, malheureusement, je vais jouer ça sans Emma. Donc, Goutte. من دمي
Non, c'est un poème d'Ibn al-Farid, un poète soufi qui est vécu au 11e siècle au Niger. C'est un peu difficile pour moi de traduire la poésie, désolé. واسأل الغزال فينا
راسه هل عنده علم بقلبي في هواه وحاله واظنه لم يدر ذل صبابتي واظنه لم يدر ذل صبابتي اذ ظل منتهيا بعز جماله ظل ملتهيا بعز جماله ما بين ظل المنحنى وظلاله s'appelle « Ça, c'est l'amour ». خلف حجابه مطرحه نضل نقتل نحوها
C'est un morceau de Farid Atrache qui s'appelle Touda. Il sera le dernier. Thank you.
l'exposition Souvenirs de Syrie. Je ne vais pas faire un long discours, j'ai fait tout à l'heure une visite guidée de l'exposition Souvenirs de Syrie. Juste pour rappeler, en fait, pour les personnes qui n'ont pas pu assister à la visite guidée ou qui sont arrivées un petit peu en retard, juste rappeler brièvement, en fait, l'idée de l'exposition Souvenirs de Syrie. En fait, ce sont des photos que j'avais prises lors de mes deux derniers voyages en Syrie. Je suis né en Syrie, j'ai grandi en Syrie jusqu'à l'âge de... J'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Et j'avais l'habitude de retourner chaque année pour voir ma famille et mes amis. Et lors de mes deux derniers voyages, j'ai eu envie de prendre des photos dans des lieux qui étaient vraiment chers à moi. Je rappelle, ces deux visites étaient vraiment juste avant les événements. Donc, dernière visite, c'était fin 2010, début 2011. Et donc, j'ai pris toutes ces photos et puis je les ai gardées dans un coin. Et puis après, il y a eu les événements et avec des amis, on a créé un groupe qui s'appelle Mobiliser pour la Syrie. On a commencé à créer des événements culturels pour soutenir des associations humanitaires. Et donc l'un des événements, c'était une soirée culturelle sur la Syrie. Donc l'idée, c'était de présenter différentes facettes de la culture syrienne et pour changer un petit peu le regard des gens sur la Syrie et en même temps soutenir des associations humanitaires, dont l'association que je soutiens actuellement avec cette exposition, donc l'association AABS. Et on a invité Khaled lors de cette soirée. Il a fait un concert magnifique. Et donc voilà, il y avait un cours de cuisine, etc., différentes choses pour présenter la facette, différentes facettes de la culture syrienne. Et j'ai présenté quelques photos et ça a beaucoup plu. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire cette exposition. Donc là, l'exposition est intégralement dédiée aux enfants syriens. Toutes les photos en fait sont proposées à la vente et l'intégralité de la recette est reversée à l'association AAVS, l'association d'aide aux victimes en Syrie. Voilà. Donc je vous laisse avec Khaled, avec ce concert, et bonne soirée, bon concert. Thank you.
Morceau prochain, je vais faire, je vais chanter des poésies de Qais, le fou de Leïla. Et je crois qu'Aragon, il était inspiré par le fou de Leïla pour se nommer par le fou d'Elsa. Et le fou de Leïla, et du coup, il y a 1500 ans en plus, à l'époque de venir de la région d'Islam. Donc, il était amoureux de Leïla, mais c'était l'amour interdit à lui. Il a écrit la poésie à Leïla. Et la deuxième époque de sa vie, c'était quand il était religieux. Mais comment il a réécrit la poésie à Leïla? Il y a des gens qui disent que c'était Leïla un symbole soufi. Mais moi, je crois vraiment que Leïla, si c'était un symbole soufi pour Qais ou pas, mais je crois vraiment que c'était sa liberté. Parce que dans le texte que je chante, ils disent, par exemple, « Ni pauvreté, ni richesse, ni repentir ne m'ont fait oublier Leïla. Si vous m'interdisez Leïla, que vous m'empêchez d'entrer dans son pays, vous ne m'empêchez pas ma poésie. » Donc c'est ça, c'est la liberté. لن تمحو علي
لن تمحو عليني القوافي لن تمحو علي لن تمحو علي القوافي. Thank you.
Cet instrument, c'est très facile à jouer, très difficile à accorder. Un morceau qui s'appelle Joie. Thank you.
morceau s'appelle Trace.
De série s'appelle Raksatiti, c'est-à-dire la danse de ma grand-mère. Thank you.
لا بال إيه بس هو يعني ليش اسمه رأس السنتي رأس الجبل. Un autre morceau de série aussi s'appelle Tout à thank you.
grand merci à Khaled Jelani pour ce magnifique concert. Donc si vous avez apprécié la musique, les CD sont en vente si vous souhaitez garder un souvenir de ce magnifique concert. Ensuite, si vous voulez, on va prendre un petit pot juste derrière. Donc ça nous donnera l'occasion d'échanger un peu plus autour de l'exposition et du concert de Khaled qui sera là également. Voilà. Merci à vous et grand merci à l'équipe de la Bibliothèque Buffon de nous avoir accueillis, et en particulier à Madame Christine Tellet. Merci beaucoup.